petite vache bouffie. Aide-moi à les chasser d'ici. C'est quoi ton nom ? Bayek. Ravi de te connaître, Bayek. Je m'appelle Jessica. Comment es-tu arrivée ici ? Je me suis perdue. J'ai mal choisi mon chemin. Éviter les patrouilles de Sefetu, ce n'est pas mal choisir son chemin. Qu'est-ce que tu sais de Sefetu ? Harkouf t'a cru morte. Mais tu as pu fuir. Il a besoin de toi. Aide-moi à porter ses vivres à mon village. Ils sont nombreux à compter sur moi. Là-bas, nous parlerons. Comment as-tu connu Harkouf ? Un homme envers qui je suis engagé m'a envoyé le voir. Je crois que nous avons le même objectif. Oui, Harkouf est quelqu'un de bien. Même si tous ceux de Saïs ont tendance à se prétendre hommes de bien. Mais Harkouf a le cœur sur la main. Il veille jour et nuit sur sa ville et ses habitants. Oui, il les protège des lâches tels que Sefetu et le Scarabée. J'ai aidé de nombreuses familles à quitter Saïs pour se mettre en sécurité, dont la pauvre Wenis et son fils. Car Sefetu n'hésite pas à faire brûler vif tous ceux qui s'opposent à lui. Il ne manque pas de courage pour sauver des gens qui ne sont pas de ton sang. Si tu le dis, je les cache dans mon village jusqu'à ce qu'on puisse constituer une caravane pour leur faire traverser le désert. D'où cette cargaison de vivres et de remèdes. Comment as-tu survécu ? Les soldats de Sefetu m'ont amené à Fort Nikyu. Ensuite, ils m'ont brûlé et torturé. Mais je leur ai craché au visage. Quand ils ont cru m'avoir brisé, par tous les dieux, Sefetu est venu ici! Les hommes de Sefetu mettent le feu partout! Reste ici. Laisse-moi m'occuper d'eux. Thank you.
c'est terminé. Toutes ces vies ravagées par ce monstre. Il y a des survivants? Nous devons faire vite. D'autres vont venir. T'as entendu ça? Oui. Bentou! Oh, les dieux soient loués, tu es encore vivant. Jamais je ne te laisserai ici. Mes cousins ont une ferme près d'ici. Elle a peut-être été épargnée. Aide-moi à y amener Pentou. Bien sûr. Je m'en charge. Allez, voici-moi! Hors de mon chemin! Hippie! Merci d'avoir sauvé Pentou. Ce n'est rien à côté de ce que tu as fait. C'est à toi qu'il doit la vie. Et c'est loin d'être fini. Non. Ces chiens continuent à chasser pour leur maître. Je vais aller voir Arkouf. Il faut trouver le moyen de faire sortir ces fétous de son antre et en finir avec lui. Je ne peux pas ramener les tiens de la douate. Mais je vais t'aider à venger ton village.